Et bienvenue à l'Église Le Portail en ligne. Mon nom est Edlin Denis. Je suis un des pasteurs sur la belle équipe de l'Église Le Portail. Et mon site local est celui de Terrebonne. Eh oui, notre église est une seule église, mais représentée sur quatre sites, Laval, Terrebonne, Sainte-Eustache et Abitibi. Très bientôt, nous ouvrirons notre cinquième site, celui situé à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante. Aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu désires en savoir plus ou connaître nos horaires et emplacements, je t'invite à visiter notre site au www.edliseleportail.com. Chaque mois, notre église offre plusieurs activités et événements spéciaux. Tout d'abord, nous nous réjouissons avec notre site de Saint-Eustache. Puisque le 2 avril, il célébrera son cinquième anniversaire. Nous sommes réellement reconnaissants au Seigneur pour ses cinq belles années dans sa grâce. Le 7 avril prochain, notez que nous aurons des rassemblements pour le vendredi saint à Laval et Terbonne. Pour Laval, deux rassemblements. 16h30 et 19h30. Pour Terbonne, 19h30. C'est une belle occasion pour inviter parents et amis et à entendre la bonne nouvelle de Jésus. En ce qui concerne nos activités hebdomadaires, notre ministère Jeunesse Accès pour les ados et portage Jeunes Adultes pour les adultes, pour les jeunes adultes plutôt, se retrouvent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour ne pas manquer leurs horaires, vous pouvez les suivre sur leurs pages Facebook respective. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons afin de partager la parole de Dieu et prier ensemble. Si jamais vous désirez connaître où se situe un groupe près de chez vous, écrivez à notre équipe petit groupe au pluriel à commercial et le .com. Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors, sans plus tarder, écoutons le message d'aujourd'hui. Bienvenue à cette prédication du portail. Encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Gétard Brassard, pasteur le principal du portail, qui c'est quatre églises, bientôt cinq, au-delà d'une douzaine de pasteurs, au-delà d'un de, de millier de membres, et, et surtout une église qui est centrée sur Jésus. Et nous continuons notre série. Dans le livre d'Esta, nous sommes rendus à l'avant-dernier message. Et le titre de la série, c'est Un Dieu pour un temps comme celui-ci. Un Dieu pour un temps comme celui-ci, dans un temps difficile pour le peuple de Dieu. Dieu se révèle comme étant le Dieu de la situation. Et on a vu qu'Esther, c'est une histoire qui se déroule environ 450 ans avant Jésus-Christ où le peuple de Dieu est amené en exil dans une terre étrangère euh, sous euh, dans un royaume étranger idolâtre euh, où le mal prospère. Et ce qui prend place, c'est qu'à un moment donné, il y a un décret pour exterminer le peuple de Dieu et on voit que derrière ce décret politique, il y a une guerre spirituelle. Hein, on ne pas lutter contre la chair et le sang. Et ce qui prend place, c'est la providence de Dieu, c'est-à-dire le contrôle de Dieu dans tous les détails du quotidien pour accomplir son plan. Et on voit que de manière providentielle, une jeune croyante, Esther, devient la reine du royaume, donc devient l'épouse du roi qui est tout-puissant. Et Dieu va se servir d'Esther pour amener un plan de secours pour préserver le peuple de Dieu. Et c'est important, pour préserver l'avenir de Jésus. Si le peuple de Dieu à cette époque est exterminé, Jésus n'est pas là et toi et moi n'est pas là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu la semaine dernière que le plein est renversé, donc l'ennemi détruit, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais tout d'abord, euh, je veux préciser quelque chose. Quand tu visionnes ou écoutes les prédications du portail, peut-être que tu as l'impression des fois, euh, le prédicateur est en train de prêcher, c'est peut-être mon cas, et à un moment donné, un peu comme des magiciens, je ne parle pas les, les, le magicien dans Lévitique, mais dans les fêtes d'enfants, avec le chapeau et sa baguette, à un moment donné, tu as peut-être l'impression que, de nulle part, « Tadam !» Jésus apparaît dans la prédication. Et tu peux te poser la question, comment c'est possible dans un texte dans le Saint-Testament, 500 ans dans Jésus, comment est-ce qu'on peut toujours ramener ça à Jésus? Puis des fois, les gens me disent, je me demande où tu vas chercher ça. Et la clé est très, très simple. Alors qu'on lit le livre d'Esther, on ne peut pas comprendre le livre d'Esther indépendamment du reste de la Bible. Dans la Bible, il y a 66 livres, donc 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau Testament. Et Dieu ne nous a pas envoyé 66 fascicules individuellement. Dieu n'a pas envoyé des fascicules par-ci, par-là, il nous envoyait un livre. Nous avons un livre. Et pour comprendre le livre d'Esther, tu dois comprendre le livre parce que c'est un chapitre de la grande histoire. Et c'est pourquoi on comprend que tout pointe vers Jésus et Esther pointe vers Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet assez important. Nous avons un Dieu pour ce temps de malédiction. Nous avons un Dieu pour ce temps de malédiction. Je sais qu'il y a plusieurs enseignements sur les malédictions, plusieurs enseignements qui ne sont pas bibliques, mais la Bible parle de malédiction et c'est important de comprendre comment Jésus renverse la malédiction dans nos vies. Et même dans la culture populaire, on croit qu'il y a des malédictions. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la malédiction du bambino. C'est lorsque les Red Sox de Boston en 1918, si ma mémoire est fidèle, ont vendu le contrat de Babe Ruth. À l'époque, c'était l'équipe qui remportait plusieurs championnats, ils l'ont vendu aux Yankees de New York et à partir de ce moment-là, ils ont accumulé défaite sur défaite sur défaite et ça a pris 86 ans avant qu'ils remportent à nouveau un championnat et les fans parlaient de la malédiction du Bambino. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la malédiction de la loterie. Ça veut dire quoi? Les statistiques ont démontré que les gens qui gagnent à la loto, 70 font faillite en 7 ans. À travers le monde, des gens qui remportent la loterie, 70 Font faillite en 7 ans. Donc, sept ans plus tard, ont moins d'argent qu'avant de gagner à la loto. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la loto. Peut-être, si tu es un amateur de musique, tu as peut-être déjà entendu parler du club des 27. La malédiction du club des 27. C'est-à-dire, il y a plusieurs vedettes rock qui sont mortes à l'âge de 27 ans. Jimi Hendrix, Jim Morrison, on a Janis Joplin, Kurt Cobain de Nirvana, dernièrement, plus dernièrement, Amy Winehouse. Des jeunes, dans la folleur de l'âge, sont décédés à 27 ans et on parle de la malédiction du club des 27. Et peut-être que toi, tu as l'impression qu'une malédiction qui plane sur ta tête. Un peu comme dans les dessins animés lorsqu'on était petit. Tu sais, le petit bonhomme qui se promène. Il y a le soleil partout, mais ça, juste au haut de sa tête, il y a un nuage avec des, des éclairs. Ça. Puis il y a la pluie. Et peut-être que tu as l'impression que c'est ton cas. Tu as l'impression qu'il y a un nuage sur ta tête. As malheur, tu as l'impression qu'il t'arrive malheur, par-dessus malheur. Et peut-être que tu te poses la question, est-ce qu'il y a une malédiction sur ma vie? Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, Esther, huitième chapitre, versets 1 à 3. Le chapitre 7, c'est l'histoire de l'ennemi qui avait fomenté ce plan qui est vaincu. Et l'histoire aurait pu se terminer au chapitre 7, mais non, parce que ce n'est pas terminé. Ce même jour, le roi Cyrus fit don à la reine Esther de la maison d'Aman, hein, qui était l'ennemi qui avait euh, préparé le décret d'extermination du peuple de Dieu, adversaire des Juifs, et Mardoché se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le sceau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. De même, Esther plaça Mardoché à la tête de la maison d'Aman. Esther ne tint pas là. Et reprit la parole devant le roi, en tombant à ses pieds, elle pleura, elle éveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté d'Aman, la gaguite, et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Pourquoi est-ce qu'Esther se jette aux pieds du roi en pleurant? Ça devrait être la victoire, ça devrait être le triomphe, la célébration, parce que la malédiction demeure on voit d'abord le succès d'Esther et Mardoché. Et on pourrait penser qu'après ce triomphe, ils auraient fait la fête, on a gagné, on a gagné, puis le peuple de Dieu aurait fait la vague, aurait fait une parade, et dans le succès, on apprend de grande chose. Peut-être que tu es dans une période de succès, peut-être que ça va bien dans ton mariage, peut-être que ça va bien dans ta maison, peut-être que ça va bien au travail, peut-être que spirituellement ça va bien, et j'aime beaucoup ce que Tim Keller dit. Nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce lorsque nous vivons des échecs. Mais nous devons nous en souvenir beaucoup plus lorsque nous avons du succès. Et alors que Mardochée et Esther vivent un grand succès, ils se rappellent l'essentiel. Ils se rappellent leur besoin d'être sauvés. Parce que l'édit de mort n'a pas été annulé. La malédiction n'a pas été brisée. Et peu importe ce que tu vis. Tu peux faire 3 millions par année, tu peux avoir des millions de followers sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, peu importe. Tu peux être en santé, tu peux être musclé, tu peux être la plus belle femme du monde. Il y a une réalité, il y a une malédiction qui plane sur ta tête. Et la malédiction demeure. Et c'est important, je reviens tout à l'heure au magicien. Hein? Pourquoi est-ce que souvent Jésus sort du chapeau? Parce qu'un des problèmes du prédicateur, souvent lorsqu'on prêche Esther, par exemple, on est tellement proche d'Esther, on est tellement collé sur l'arbre qu'on ne voit pas la forêt. Et c'est important en tant que lecteur biblique de voir la forêt de la parole de Dieu. Et ce qui prend place, c'est beaucoup plus qu'un édit politique c'est beaucoup plus qu'un plan d'extermination machiavélique. Ce qui prend place ici, c'est une malédiction divine. Wow, je le répète. Ce qui prend place ici, c'est une malédiction divine qui demeure sur le peuple de Dieu. J'ai bien dit, malédiction divine. Pourquoi? Parce que Dieu avait annoncé dans la parole, et tu retrouves ça, puis je vais te lire, dans Deutéronome 28, le verset 15, Dieu dit au peuple de Dieu, voici, si tu obéis, voici toutes les bénédictions que tu vas recevoir. Mais si tu désobéis, si tu oublies ma parole, si tu adores d'autres dieux, si tu fais le mal, voici les malédictions qui t'atteindront. Voici ce que dit la parole de Dieu. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et le verset 20 l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Il parle à son peuple. Le trouble et la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. Le peuple de Dieu à l'époque d'Esther a abandonné le Seigneur. Et ce qui prend place, Dieu se sert des ennemis. Pour accomplir sa parole, et Dieu a décrété que la désobéissance aura des conséquences. Et tu peux avoir du succès, mais Esther et Mardochée réalisent que la cause première de leur problème, c'est la relation de Dieu, la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Et ce qu'on voit ici, c'est la malédiction divine qui s'accomplit dans la vie du peuple de Dieu. Maintenant, je veux juste dire. Que Dieu n'a maudit personne. Dieu décrète simplement la malédiction sur la désobéissance. Je répète, Dieu n'a maudit personne. Dieu a simplement décrété la malédiction sur la désobéissance. Lorsqu'on voit Dieu a créé l'être humain, il l'a béni. Fondamentalement, l'humanité est bénie. En tant qu'être humain, tu es béni de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais Genèse 2, 17, Dieu dit, il y a un décret. Il dit à Adam, si tu désobéis, si tu manges de l'art de la connaissance du bien et du mal, alors tu mourras. C'est la première malédiction qui est annoncée. À la base, Adam, l'humanité est bénie. Mais Dieu dit, si tu désobéis, voici tu vas vivre le mal, les conséquences du mal, et ça s'appelle la malédiction. Et c'est intéressant. Lorsque Adam et Ève vont pécher, Dieu ne va pas les maudire. Il va maudire le serpent. Il va dire au serpent, maudit sois-tu. Il va maudire le sol, mais jamais Dieu ne maudit Adam et Eve. Et c'est important parce qu'à toi qui m'écoutes, oui, il y a une malédiction à la désobéissance, mais Dieu ne veut pas te maudire. Dieu t'a créé pour te bénir. C'est le plan de Dieu. Dans la Bible, elle parle beaucoup plus de bénédiction que de malédiction. Et ce que nous voyons ici, c'est ce que la parole de Dieu dit, que lorsque nous désobéissons, nous sommes sous la malédiction de Dieu. Et cette humanité qui s'est révoltée contre Dieu vit la malédiction de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 25, 41, à la fin de sa parabole, il va dire, Éloignez-vous de moi et soyez jetés dans les temps de feu, vous qui êtes maudits. En fait, la malédiction d'une personne est causée par sa désobéissance. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais tu dois réaliser que chacun d'entre nous, la mort est un rappel qu'il y a une malédiction. La malédiction demeure. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Sarah Winchester, l'épouse du fabricant de pistolets américains, euh, une centaine d'années, alors que son époux est décédé. C'est une femme très anxieuse qui avait peur de mourir. Et euh, elle, elle, elle était vraiment, elle pratiquait l'occultisme, le, le, le spiritisme. À un moment donné, euh, une voyante lui aurait dit, qu'un esprit lui aurait dit, que tant qu'elle bâtirait sa maison, son manoir, elle ne mourrait pas. Et Sarah Winchester a bâti, a passé sa vie à bâtir frénétiquement sa maison, à l'agrandir, à l'agrandir, à l'agrandir, pour éviter la mort. Donc, sa maison, aujourd'hui, tu vas l'avoir les 150 chambres, 13 salles de bain, 2000 portes, 47 foyers dix mille fenêtres. La parole de Dieu dit, Dieu dit, je place devant toi la mort et la vie, je place devant toi la malédiction et la bénédiction. Et la malédiction ultime de l'être humain, c'est qu'un jour on va mourir, on va faire face à Dieu, alors qu'on n'est pas en paix avec Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le livre d'Esther illustre cet édit de mort qui est sur chacun d'entre nous. On continue la lecture. Verset 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amman, fils de Amdata, la Gogite, et rédigées dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur, hein, tu vois, qui est là, qui menace mon peuple? Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée? Le roi Cyrus a la reine Esther et au roi et aux Juifs Mardochée. Voici que j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et on lui a pendu, et on l'a pendu à la patence, pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous maintenant, écrivez au nom du roi. Ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et sourd royal, est celle-là du sceau royal, c'est un texte écrit au nom du roi, et celle du sceau royal est irrévocable. Ce qu'on voit ici, c'est que la malédiction ne peut être révoquée. Il y a un décret de mort irrévocable. Et souvent, les gens peuvent dire bien, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce que Dieu annule pas la mort? Pourquoi est-ce que Dieu ne pardonne pas tout le monde? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas simplement comme on annule tout? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vie, dans les choses banales, il y a des contrats qu'on ne peut pas résilier comme ça. Alors, vous savez, je n'aimerais pas, mais il y a une personne qui habite chez moi, qui dort dans mon lit, qui euh, s'inscrit à des, des, euh, des, des, des compagnies de, de nourriture où on a des. des souvent, c'est pré-coupé, puis il y a une recette, puis bon, on donne une boîte. Pis, et quand tu t'abonnes, tu as comme une boîte gratuite. Pis je connais des gens dans ma maison que je n'aimerais pas. Qui s'abonnent pour une semaine pour avoir la boîte gratuite, puis qui se désabonne. Maintenant, quand tu désabonnes, tu ne peux pas revendiquer la boîte, dire dans un mois, ben, j'ai changé d'idée. Hein, c'est comme si tu démissionnes, puis après ça, tu reviens un mois après, puis ton patron dit Qu'est-ce que tu fais là? Tu J'ai changé d'idée, je veux revoir mes vacances, je veux revoir mes, mes, mes assurances. Je tu ne peux pas parce qu'une démission, c'est irrévocable. Hein, tu ne peux pas arriver et dire. Tu, tu divorces, tu ton épouse, tu reviens six mois après, tu dis OK, on oublie tout, on fait comme si rien n'était. Non, non, tu peux pas. C'est comme il y a un divorce, c'est quelque chose, c'est irrévocable. Tu peux pas juste annuler. De la même manière, peut-être, tu vends ta maison ou tu une maison, puis tu regrettes parce que les taux d'intérêt sont élevés, puis tu te dis Ah, j'aurais pas dû. Tu peux pas aller voir le notaire en disant On oublie tout, finalement, j'ai changé d'idée. Non. Pourquoi? Parce qu'un contrat légal officiel, tu peux pas le révoquer comme ça. Et la même manière, l'humanité s'est désabonnée de Dieu. Nous avons démissionné de Dieu. Nous avons divorcé avec Dieu. On a rejeté Dieu. On ne peut pas juste dire, Dieu ne peut pas seulement dire, on, on efface, on recommence. La même manière, quand tu te désabonnes, si tu veux revoir les bénédictions et les privilèges, tu dois te réabonner à nouveau. La même manière, si tu démissionnes pour être rétabli, ça prend un nouveau contrat de travail. Si tu es divorcé. Tu veux restaurer, mais tu dois te remarier. De la même manière, si tu veux changer ta maison, tu dois réhypothéquer. Qu'est-ce qu'on dit? La parole de Dieu déclare que seul un nouveau décret peut contrer un ancien décret. C'est ce que Paul dit. Paul dit qu'une alliance, tu ne peux pas la modifier ni l'annuler. Et ce qu'on voit ici, le décret irrévocable du roi est une illustration des décrets irrévocables de Dieu. Et seul un nouveau décret peut contrer un ancien. Ici, la seule manière de contrer ce décret de mort, c'est de faire un autre décret de vie pour le contrer. Et c'est exactement ce que la Bible enseigne. Alors qu'il y a un décret de mort sur nos vies, Dieu établit un nouveau décret en Jésus. Il y a un décret de mort et Dieu établit un nouveau décret en Jésus. Il y a deux parties dans ce, dans ce livre. Comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle Ancien et Nouveau Testament. En fait, la traduction de Testament n'est pas exacte. Le, le terme le plus juste, c'est Ancienne et Nouvelle Alliance. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Ancienne et de Nouvelle Alliance? Parce que. Tu ne peux pas annuler l'ancienne alliance, tu dois en faire une nouvelle. Jésus a dit, Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. C'est pourquoi les prophètes, alors que cette ancienne alliance disait que quiconque désobéit à la parole de Dieu sera sous la malédiction, la seule manière de contrer cette ancienne alliance, c'est par une nouvelle alliance. Une meilleure alliance. C'est pourquoi les prophètes, notamment Jérémie 31, va dire, Dieu dit, Voici la nouvelle alliance que je ferai, non pas comme celle que j'ai faite. Voici, je leur donnerai un cœur nouveau, je mettrai ma loi dans leur cœur. Tous me connaîtront. Et Jésus est venu établir ce nouveau décret. De la même manière qu'un nouveau décret va être dicté, Jésus est venu établir une nouvelle alliance. Alors que nous étions sous l'alliance de la malédiction, Jésus vient établir une alliance de bénédiction. Quelqu'un devrait dire ⁇ Amen à la maison ⁇ C'est un peu comme quand tu as une voiture, puis tu... Au niveau de tes assurances, tu as une valeur à neuf ou de remplacement. Moi, j'ai un ami qui a eu un accident, sa voiture est perte totale. Puis finalement, on lui a donné une voiture, une meilleure voiture, plus récente, avec plus de choses. Alléluia. Jésus, hébreu, nous dit que Jésus nous donne une meilleure alliance. Pourquoi? Parce que cette nouvelle alliance, il nous donne un cœur nouveau. Il nous donne une capacité spirituelle de faire ce que la chair ne peut pas faire. Il nous fait naître de nouveau. Cette nouvelle alliance... Elle est garantie, elle la protège. Cette nouvelle alliance, elle est scellée en Jésus, par le sang de Jésus. Et ce qu'on voit, c'est que la malédiction demeure, on le voit dans le texte. On voit que la malédiction ne peut être évoquée, mais on voit quelque chose de très important et je deviens très pratique dans quelques instants. Verset 9. On convoqua les secrétaires royaux ce même jour, qui était le 23 du troisième mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on consigna toutes les dispositions de Mardoché pour les Juifs à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie, 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit les lettres au nom du roi Suérus, on les scella du sur-royal, on, on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval, montant des sang à actran, le mot actran veut dire probablement officiel, sélectionnés, le roi autorisait les juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécutaient, y compris les enfants et les femmes. Ils pouvaient les piller pour en prendre du butin. Les gens qui vont dire ouais, mais oh, quel dieu barbare qui permet d'exterminer les enfants et les femmes. En fait, tu dois comprendre que l'édit de mort contre les peuples, le, peuple de juifs, le peuple de Dieu disait que. Les enfants et les femmes devront mourir également. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est simplement un édit d'autodéfense. Hein? C'est sur le principe de œil pour œil, dent pour dent. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans Esther, ce qui prend place, la malédiction est renversée, mais le mal est encore là. Et le livre d'Esther nous donne un avant-goût de quelque chose de meilleur. Jésus, a quelque chose de meilleur que ce qui prend place là. Jésus, a une meilleure délivrance. Jésus a une meilleure protection. Mais si je reviens dans le texte ici, on voit que le peuple, la malédiction est renversée, le peuple de Dieu peut se défendre, mais la mort continue. Alors que ceux qui vont les attaquer vont mourir également. Et là, ça fait juste, ça fait juste dégénérer. C'est comme dans le temps des fêtes, on fait un parti de famille. On est tous des gens responsables, matures, qui ont leur tête, qui ont, qui sont, qui ont évolué. Et pour une raison que j'ignore à un moment donné, il y a quelqu'un qui donne la tag à quelqu'un. Plus subtilement, la personne qui a reçu la tag, ma tante donne la tag à grand-maman, grand-maman donne la tag à mon oncle, tout le monde sait quoi la tag? Puis à un moment donné, donne lui au neveu, puis assis. Puis là, à un moment donné, ça dégénère. Ça dégénère. Tout le monde commence à courir partout, les chaises revoltent, tout ça. tout le monde, tout le monde, tout le monde veut. Personne ne veut la tag. La Bible dit que la mort est entrée par un homme, et a passé sur tous les hommes. Par nos péchés, on contamine les autres. Et dans ce monde, dès que jour après jour, on se donne la taille, puis le mal prospère, prospère, prospère. Et on voit ici qu'il y a un renversement de malédiction, mais il y a, le problème n'est pas réglé à la base. Je disais dans le journal qu'il euh, y a un problème présentement en Colombie avec les, les hippopotames de Pablo Escobar. Pablo Escobar, qui est un, un narcotrafiquant et euh, un excentrique. Et dans les années 80, il a, il a importé d'Afrique quatre hippopotames. Maintenant, son bon, il est décédé, tout ça, son, 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 tout son domaine a été livré à l'abandon. Le problème, c'est que les hippopotames ont continué à, à faire des bébés, à faire des bébés. Et très bientôt, il va y avoir 1000 hippopotames en Colombie. Maintenant, ça n'a aucun sens parce que les hippopotames, tu en as juste en Afrique. Et en Colombie, tu n'as pas de lion. Donc, il n'y a pas de prédateur naturel. Ça fait qu'il y a un problème d'hippopotame en Colombie. C'est comme si tu te promènes dans la forêt du Québec tu fais face à face avec un hippopotame. Et là, il y a des hippopotames partout. Et c'est une image. Jésus dit que le mal se répand. Puis on voit ici dans le texte un renversement de, de malédiction, mais ça donne un avant-goût de quelque chose de meilleur parce que le mal continue de se, ré, continue de, de se répandre. Et voici vers quoi ce, ce texte-là pointe. Ce texte-là pointe vers Jésus qui nous a racheté de la malédiction en devenant malédiction. Permets-moi de te lire un, un texte biblique vraiment, vraiment très important. Ça se trouve dans Galates. Un texte biblique fondamental pour comprendre la malédiction dans la Bible. Galates 3, verset 10. Écoute bien. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi, ça veut dire l'ensemble de l'humanité, sont sous la malédiction. Car il est écrit Maudit soit quiconque, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Loi pour le mettre en pratique. Ça, c'est toi puis moi. La Bible dit Maudit soit quiconque, n'observe pas tout ce qui est écrit là-dedans. Je ne suis pas pour toi, mais moi je ne suis pas capable d'obéir à tout ce qui est là-dedans. La Bible dit que quiconque ne répond pas au standard de Dieu est sous la malédiction. Pourquoi? La conséquence, de la désobéissance, est la malédiction. Donc, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, parce que c'est impossible d'être justifié par ta loi, par tes, tes bonnes œuvres. Je continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, car il est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Écoute bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit Maudit soit quiconque est pendu au bois. En mourant à la croix, Jésus a été fait malédiction. Et en devenant malédiction, il a porté notre malédiction. Il a brisé la malédiction de mort qui était sur ta vie et sur ma vie. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions les promesses de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus nous a racheté de la malédiction en devenant malédiction. Ça veut dire quoi? OK. Imagine que tu échappes ton téléphone dans, dans la toilette, dans l'évier, dans la piscine, dans une flaque d'eau. Ton téléphone ne fonctionne plus. Il n'est plus fonctionnel. Ça, c'est l'être humain. C'est-à-dire, nous sommes tombés dans le péché, nous sommes dans l'eau, nous sommes dysfonctionnels, nous ne fonctionnons pas. Nous ne fonctionnons pas. Fonctionnons, fonctionnons, fonctionnons pas. Fonctionnons pas. Oui, il me semble qu'il y a trop de haut. Euh, comme il faut. Nous sommes dysfonctionnels. Maintenant, tout le monde sait, c'est quoi le truc quand ton téléphone a tombé dans l'eau? Tu le mets dans le riz. Tu le mets dans un bac de riz. Pourquoi? Parce que le riz va absorber l'eau de ton téléphone et il y a de fortes chances que ton téléphone fonctionne à nouveau. La Bible dit que Jésus à la croix a absorbé notre malédiction. À la croix, Jésus a absorbé ton désespoir. Il a absorbé tes peurs. Il a absorbé nos maladies. Il a absorbé nos péchés. Il a absorbé notre rébellion, notre révolte, notre désobéissance. À la croix, Jésus a absorbé ta souffrance. Il a absorbé nos blessures. Et de la même manière que ce bac de riz absorbe l'eau et que le téléphone fonctionne à nouveau, par la croix, nous sommes rendus fonctionnels. Nous sommes restaurés. Et c'est ce que la Bible dit alors qu'il y avait une malédiction sur nos vies. Par la croix, Jésus a absorbé notre Malédiction. Et lorsqu'on met notre foi en lui, il y a un transfert. Jésus prend notre malédiction et Jésus te donne sa bénédiction. C'est comme lorsqu'il y a des événements, il y a des, dans le temps des fêtes surtout, euh, il y a des cadeaux, puis tu ne sais pas ce que dans les cadeaux, puis euh, par exemple, tu peux piger une carte, puis quand tu as un chiffre repair, tu peux aller voler un cadeau, puis tout le monde essaie de deviner. Et là, tu échanges des cadeaux, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a de bons cadeaux, puis il y a de mauvais cadeaux. Tu ne sais pas avec quoi tu vas finir. Et là, finalement, dernière minute, tu échanges un cadeau avec quelqu'un, tu prends le cadeau, et là, tu te rends compte la personne va, va ouvrir le cadeau, puis elle a comme euh, un cossin de Dollarama qui, qui vaut un dollar, puis tout s'ouvre, puis wow, tu as une carte cadeau Starbucks de 50 dollars. Quel merveilleux, quel glorieux échange. Et c'est ce que la Bible dit. À la croix, par la foi, Jésus te donne sa bénédiction, la bénédiction du Fils parfait de Dieu. Et il absorbe notre malédiction. Et ce n'est pas tout. Non seulement Jésus le fait, c'est un fait historique, mais ça a un impact dans nos vies. Voici comment le récit se termine. Verset 12. Ceci a un seul jour. Hein? De la même manière qu'à un seul jour, Jésus a brisé la malédiction. À un seul jour, Jésus a expié ton péché. À un seul jour, Jésus t'a acquis la délivrance. À un seul jour, Jésus t'a racheté. À un seul jour, Jésus t'a sauvé. Ce ça un seul jour dans toutes les provinces du roi Cyrus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province les dits qui devaient être rendus publics parmi tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là à tirer vengeance de leur ennemi. Les courriers montant des Pursains à Actrane sortirent à bride abattue, donc à toute vitesse, par ordre royal, et Lydie fut communiquée à Suse, la capitale. Mardochée se retira de la présence du roi en vêtements royaux violets et blancs, donc c'est des, des couleurs royales, avec une grande tiare d'or et un manteau de bisous et de pourpre. La ville de Suse est en liesse et en joie. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a un renversement de la malédiction. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe. En chaque province, en chaque ville, en tout lieu, atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y parmi les juifs joie et allégresse, festin et jours de fête. Beaucoup se firent juifs, donc beaucoup se convertirent parmi les gens du pays, car la terreur des juifs les avait saisis. Je te rappelle que dans, dans le plan du salut, on est dans un, un chapitre qui prépare la venue de Jésus. Puis il y a des choses là-dedans qui pointent vers Jésus, puis il y a beaucoup de choses là-dedans qui pointent vers un meilleur salut que nous avons en Jésus. Des principes qui illustrent que Jésus brise la malédiction, mais ici, si on a une œuvre partielle. Hein, ce n'est pas parfait ce qui prend en place dans ce texte-là. Et tout ça pointe vers une œuvre parfaite de Jésus, où il dit ⁇ Tout est accompli ⁇ Mais ce qu'on voit, c'est des gens qui passent de la malédiction à la bénédiction. Et à toi qui m'écoutes, j'aimerais t'exhorter, passe de la malédiction à la bénédiction. Passe de la malédiction à la bénédiction. Chaque personne sur la terre est soit sous la malédiction ou sous la bénédiction. C'est ce que Paul va dire dans le texte qu'on a lu qu tout à l'heure. C'est soit que tu es sous la malédiction de ton péché, de la désobéissance, de la mort, ou soit que tu es sous la bénédiction du pardon, de la grâce et de la vie. C'est un ou l'autre. Soit que tu es en Jésus ou tu es hors de Jésus. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu peux passer de la malédiction à la bénédiction. Et on voit ici que tout commence par la communication d'un texte royal, le texte du roi des rois. Et c'est ce que je fais présentement. Je te communique le texte du roi des rois. Il y a un texte plus important que le texte qu'on voit dans ce récit-là. Il y a un roi plus important que le roi qu'on se voit dans ce récit-là. C'est le roi des rois qui a un texte pour toi. Il y a un édit, un décret. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit... Alors que le décret dans le livre d'Esther dit que la, la malédiction est renversée. La parole de Dieu, le thème de la parole de Dieu, un seul thème, c'est que Jésus a renversé la malédiction. Et ce qu'on voit ici, c'est une image de l'œuvre de Jésus. Alors que tu vois Mardoché qui, qui a des vêtements royaux, et je te rappellerai que lorsque Lydia a été promulguée, il a mis un sac de cendre. Hein, D'ailleurs, même Esther a envoyé des vêtements. Pis, et là, on voit que tout à coup, il est vêtu. De manière royale, dans la Bible, le revêtement, le vêtement, c'est toujours un symbole, une image. Mais toujours, du moins dans, dans, dans ce cas-là, souvent, c'est une image souvent dans l'Apocalypse de la justification. C'est-à-dire que par notre péché, on a des vêtements souillés, et que Jésus vient et Jésus te donne des vêtements royaux. Il te justifie. Il te lave, il te purifie, il te pardonne. Et on voit ici Mardoché qui a un changement de vêtements. Et tout ça se fait par grâce. On lui donne les vêtements à Mardoché. De la même manière, tu as besoin qu'on te donne la justification. Tu peux pas te l'accaparer par toi-même. La semaine dernière, j'étais au musée des Beaux-Arts de Montréal avec mon épouse, puis... Euh, ok, confession. Euh, je me promène, puis euh, à un moment donné, je, je vois des tableaux, je vois des œuvres d'art, puis. Euh, je regarde un tableau, puis mon épouse est à côté de moi, puis je lui dis C'est-tu quoi Je pense que je pourrais faire mieux que ça. Ouais. Je pense que si je me donnais la peine, là, je peux pas mal faire mieux que ça. Puis je regardais des affaires, puis c'est des œuvres d'art qui valent cher, puis c'est comme J'ai une haute estime de mes capacités artistiques. Et j'arrive à un moment donné dans une salle, puis, puis je vous le dis, je n'invente rien. Je dis à mon épouse, je, dis, je dis, tu vois là, ça, là, ce genre de tableau-là, ça, ça me rejoint tellement pas, c'est tellement mauvais. Puis là, je m'approche. Qui c'est qui a fait ça? Puis là, je vois Riopel, hein, considéré comme le plus grand peintre québécois. Puis là, je me dis, non, mais c'est Don bien laid. Puis là, je regarde combien vaut le tableau, 8 millions. Puis il y a des gens qui sont là, tu m'écoutes, puis tu penses que tu es, es une bonne personne. Tu regardes l'œuvre de Jésus, puis tu trouves qu'on beurre un petit peu trop en accordant beaucoup de valeur à l'œuvre de Jésus. Tu as confiance dans tes moyens, tu as confiance d'arriver par toi-même, tu as confiance de bien performer, tu as confiance que quand tu vas arriver devant Dieu, tu vas tellement avoir de bons arguments que tu vas gagner. Tu as l'impression que Dieu va te faire une passe droite. Il va y avoir une passe droite dans l'histoire de l'humanité, puis c'est toi, parce que tu es tellement spécial. Maintenant, comme Mardoché a reçu des vêtements, tu as besoin d'avoir l'humilité de recevoir la justice de Christ. Tu as besoin de l'humilité de recevoir que par toi-même, tu n'arrives pas à la hauteur, que tu mérites la bénie la malédiction de Dieu, parce que tu désobéis, que tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, au standard de Dieu, et de recevoir la bonne nouvelle de Jésus qui justifie. Non seulement qui pardonne, qui justifie. Lorsque Dieu te regarde et te voit comme étant un juste, te voit comme avec des vêtements royaux, comme un fils, une fille du roi, et non pas comme un rebelle. Jésus justifie. Et ce qu'on voit également, c'est que Dieu bénit, Jésus bénit. Regarde le texte. Alors que jusqu'à maintenant, dans le livre d'Esther, on est beaucoup dans la mort, dans les pleurs, dans, dans le mal. Et regarde, on disait à la fin du verset 17 Il eut parmi les Juifs, bon, les Juifs étaient rayonnants de joie, il y eut parmi les Juifs, Beaucoup de joie, d'allégresse, festin, fête. On voit que tellement de, de, c'est tellement une un, un atmosphère de bénédiction, de grâce, que même des gens qui, qui se font croyants. OK, à toi qui m'écoutes, je veux juste t'expliquer ce que ça veut dire, le fait que Jésus bénit. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es un chrétien? Lorsque ton identité est en Jésus, lorsque ta foi est en Jésus, Lorsque tu, tu fais de Jésus ton plus grand trésor, lorsque tu reconnais la malédiction qui est sur ta vie et que tu acceptes par la foi la bénédiction de Jésus et tu crois qu'il a porté ton péché, ta malédiction à la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à coup, quand tu marches dans la vie, tout ce qui t'arrive, tu sais que ce n'est jamais une malédiction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que ta maladie n'est pas une malédiction. Ton congédiment n'est pas une malédiction. Ta fausse couche n'est pas une malédiction. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce que ta tante te dit, écoute ce que la parole de Dieu dit. Ton accident n'est pas une malédiction. Les problèmes dans ta maison, la manière que tes enfants, les erreurs de tes enfants ne sont pas une malédiction. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Jésus béni. Ça veut dire également qu'il n'y a pas de malédiction présente et tu ne peux pas être lié par une malédiction passée. Je l'ai souvent dit, permettez-moi de le rappeler, peut-être ça va être pour une personne, mais ça vaut la peine. Je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. J'ai été dans l'occultisme. J'ai. Été dans toutes sortes de choses. J'ai joué dans le monde spirituel. Lorsque j'ai reçu Jésus, des gens de mon église m'ont dit à l'époque c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'on prie pour toi, pour ta délivrance, parce qu'il y a des liens dans ta vie. Puis ça va t'empêcher de progresser à cause de ton passé. Mais la parole de Dieu dit si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus te bénit, il n'y a pas de malédiction présente dans ta vie, puis il n'y a pas de restant de malédiction passée. Quand Jésus te bénit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis sous le régime de la miséricorde et de la grâce. Ça veut dire que Dieu ne te traite pas en fonction de tes œuvres, mais te traite, te fait miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est que Dieu ne te donne pas la malédiction que tu mérites. Je répète que la parole de Dieu dit que lorsqu'on désobéit, nous méritons le mal, nous méritons les conséquences au péché. Mais lorsque tu es en Jésus, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Et Dieu ne te donne pas le mal que tu mérites. Non seulement tu es sous le régime de la grâce, le, le, de la miséricorde, tu es sous le régime de la grâce. C'est-à-dire que Dieu te donne des bénédictions que tu ne mérites pas. Dieu te donne une récolte que tu n'as pas semée. Dieu te donne un salaire pour lequel tu n'as pas travaillé. C'est pourquoi 21 21.3 parle de, des bénédictions de ta grâce. Lorsque tu es béni en Jésus, tu sais que ce que Dieu fait dans ta, dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Parce que Dieu est bon. Voyez, goûtez combien l'Éternel est bon. Et ce bon Dieu fait de bonnes choses dans ta vie. Il te donne du bon. Il te fait du bien. Il fait que toute chose concourt à ton bien. Et lorsque des gens autour de toi te font du mal, tu peux dire comme Joseph vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Pourquoi Parce que Jésus t'a béni. Tu es béni en Jésus. Ça veut dire que tu es totalement aimé, totalement accepté par Dieu. Tu es totalement sauvé, totalement racheté, totalement pardonné, délivré, libéré, purifié. Tu es dirigé, préservé, protégé. Quand tu réalises que tu es totalement béni, que tu as toutes ces bénédictions en Jésus, que tu es sous le régime de la bénédiction, ça change tout. Parce que tu réalises que le Père, écoute bien. Le Père ne peut pas cesser d'aimer Jésus. On est d'accord Le Père ne peut pas se mettre en colère contre Jésus. On est d'accord Le Père ne peut pas rejeter son fils, ne peut pas rejeter Jésus. Le Père ne peut pas punir le fils. Jésus a déjà subi toute la punition à la croix. Le Père ne peut pas punir Jésus. Le Père ne peut pas ne pas exaucer Jésus quand il intercède. Le Père ne peut pas abandonner Jésus. La bonne nouvelle, c'est que toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en Jésus. Donc, de la même manière, le Père ne peut, Dieu ne peut cesser d'aimer Jésus, il ne peut pas cesser de t'aimer. Il ne peut pas te punir, il ne peut pas te racheter, il ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. L'image classique, c'est lorsque tu es dans un avion, tu te rends là où va l'avion. Vous savez, il y a des gens, des gens qui m'écoutent, puis peut-être tu es en train d'évaluer le christianisme ou tu es un chrétien. Coup, ci, coup ça hein? Tu te dis chrétien, mais est-ce que tu l'es vraiment? Je laisse le Saint-Esprit évaluer ça dans ton cœur. Tu peux savoir des choses sur les avions, tu peux connaître les trajets, tu peux aller à l'aéroport, voir les avions, tu peux être capable de, 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 de discerner, voici les différents types d'avions, tu peux te rendre à l'aéroport, tu peux acheter des billets d'avion, tu peux... Mais tout ça ne compte pas si tu n'embarques pas dans l'avion. Puis il y a des gens, là, tu tournes autour de Jésus depuis des années. Mon ami, il est temps que tu embarques dans l'avion. Et c'est dans l'avion que tu es béni. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis en Jésus. Et ça veut dire également que quand tu es en Jésus, que personne ne peut amener une malédiction sur ta vie. Hein, quand Balaam, à un moment donné, un roi méchant lui demande de, de maudire le peuple de Dieu, puis Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire le peuple de Dieu. Tu ne peux pas maudire mon peuple. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas maudire ce que je bénis. Et c'est pourquoi le chrétien, c'est pourquoi je n'ai pas peur que quelqu'un me maudisse, parce que un être humain ne peut pas maudire ce que Dieu bénit. Hein, quelqu'un m'a déjà dit, euh, puis je le dis avec respect, un couple était venu me voir, puis ils m'ont dit, parce que nos problèmes, c'est qu'on a l'impression qu'il nous arrive plein de choses, parce qu'il y a un sorcier dans notre village, dans notre pays natal, qui... Qui, 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 a fait, qui a fait une incantation, puis une malédiction sur nos vies. Ma question, c'est, est-ce que vous êtes en Jésus? Oui. Ok, peu importe le, le chaman, le sorcier, le magicien, qui... c'est comme, imagine le sorcier, là, la piste d'aéroport qui, qui va arrêter l'avion. Bonne chance, sorcier, bonne chance. Encore une fois, la malédiction d'un homme n'arrive pas à la chauffer de la bénédiction de Dieu. Dans la Bible... La malédiction d'un être humain, c'est un souhait. Mais la bénédiction de Dieu, c'est un décret. Donc, quand tu sais ça, tu relèves la tête. Pourquoi? Parce que des gens qui ne le croient pas, puis si tu ne crois pas que tu es béni en Jésus et que toute malédiction a été brisée, tu marches de manière non confiante dans la vie. Tu sais, quand tu vois des gens sur l'autoroute qui conduisent leur voiture, puis tu les vois là. Ils sont sur l'autoroute et conduisent à 45 degrés. À 45 degrés, pardonnez-moi 45 km/h. Ces gens-là sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont craintifs. Puis c'est clair que quand tu es craintif sur la route, ça affecte ta conduite et tu vas avoir un accident. Pourquoi? Ça te prend un minimum d'assurance. Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris que dans la vie chrétienne, ça te prend de l'assurance. Parce que ton assurance influence ta conduite. Un chrétien qui pense toujours que Dieu est fâché contre lui, que Dieu lui en veut, que Dieu lui envoie des épreuves, tu ne marches pas avec assurance dans la vie, alors que la parole de Dieu te dit que Jésus te bénit. Et même lorsque tu as des épreuves, même lorsque tu as des difficultés, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta pire journée en Jésus est toujours mieux que la meilleure journée de celui qui est sans Jésus. C'est pourquoi, si quelqu'un à côté de toi, dis-lui, que le Seigneur te bénisse. Alors, la Bible dit, bénissez, car c'est à ça que vous avez été appelé. Donc, à toi qui m'écoutes, à toi qui n'as pas fait la paix avec Jésus, à toi qui as peur, à toi qui se pose la question, il va arriver quoi à la mort? Est-ce qu'il y a une malédiction sur ma vie? Est-ce que... Le Père a envoyé son Fils pour régler cette question. là Jésus est venu briser la malédiction, renverser la malédiction, absorber la malédiction afin de pouvoir te bénir, te bénir, te bénir, te bénir, te bénir. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Je termine avec ceci. Une maman qui amène un petit garçon, son petit garçon de 5 ans dans le magasin et euh, fait des, des achats et euh, le propriétaire regarde le petit garçon puis lui donne prend un grand pot de bonbons. Puis euh, dit au petit garçon euh, prend des bonbons. Prends une bonne poignée de bonbons. Le petit garçon fait. Et là, le, le propriétaire prend une bonne poignée, lui donne les bonbons. Le petit garçon sort, tout content. Sa mère lui dit C'est quoi ça Ça ne te ressemble pas, t'as gêné comme ça Actuellement, tu aurais pu Pourquoi tu t'as hein, pas voulu piger dans, dans la jarre à bonbons Le petit garçon la regarde et lui dit Parce que sa main est plus grande que la mienne. Les chrétien sait que la main de Dieu est plus grande que la nôtre et que la main de Dieu est une main bénissante. Sois béni en Jésus. C'était la parole de Dieu. J'espère que ce message t'a permis d'en connaître plus sur Jésus. Si tu désires en savoir plus sur lui ou sur notre Église, je t'invite à nous écrire à info à commercial église -le .com. Un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais afin de prendre du temps avec toi. En terminant, merci de votre soutien à l'œuvre de Jésus par la prière et par vos dons. Il continue à sauver et transformer des vies. Votre soutien est important et contribue à notre mission qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à donaupluriel à commercial -list .com. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente semaine.